Ici en Côte d'Ivoire, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision prône la cohésion sociale. Elle vient de développer un outil, CréaPair, vise à engager les femmes et les jeunes Ivoiriens à la culture de la paix, aussi bien dans leurs paroles que dans leurs actes. Le projet présenté à Abidjan, à l'opinion nationale et internationale. Didier Nguessan. Promouvoir la paix à travers un leadership communautaire et participatif avec des femmes et jeunes qui jouent un rôle prépondérant. C'est l'objectif de CréaPair, entendez les communautés régionales pour l'autonomisation et la paix. Une initiative de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision présentée aux représentations diplomatiques des États-Unis, d'Israël et de l'Union africaine. Avec l'outil CréaPair, on peut identifier des indicateurs de création de la paix. On peut mener des actions. Quand vous allez auprès des communautés, elles peuvent savoir qui fait la paix vraiment, qui ne la fait pas. Elles peuvent savoir qui suivre. Et aujourd'hui, le sens de cette activité, c'est de nous faire accompagner par toutes les sommités au niveau international, avec les partenaires, avec le secteur privé, la société civile, les artistes humoristes, qu'ensemble nous puissions porter cette paix, parce que nous y croyons. Sur le terrain, CréaPair va sensibiliser les femmes et les jeunes et lancer sur les réseaux sociaux une campagne d'engagement pour la paix. Nous avons réuni près de 100 associations, 100 présidents d'associations et nous travaillons en partenariat. C'est vraiment un projet important, donc je souhaiterais que la jeunesse ivoirienne s'implique vraiment dans ce projet. La campagne aura pour thème « La paix est non négociable ».